Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 9 novembre 2023 à Nzérékoré, les conseils des sages de la préfecture de Lola et celui de Nzérékoré ont condamné avec énergie la tentative d'évasion de l'ancien président de la transition guinéenne, Moussa Dadi Kamara et ses complices, principaux accusés dans le procès du 28 septembre 2009 en cours. Le Conseil patriarcal qualifie cette évasion de comportements irresponsables et antipatriotiques tout en réitérant son soutien aux idéaux du CNRD et à son président, le colonel Mamadi Douombouya, pour une transition apaisée. C'était lors d'une plénière qui a regroupé les coordinations des sages de Nzérékoré, Lola, les leaders religieux, les groupements de femmes, les jeunes et certaines corporations socio-professionnelles. Le Conseil préfectoral des sages, sous la direction de Sa Majesté le Colonel Souasset Doré, patriarche de Lola, réuni en conseil extraordinaire ce mercredi 8 novembre 2023, après échange d'informations sur les derniers événements survenus à la maison centrale de Coronti, suite à une analyse approfondie de la situation et de ses répercussions éventuelles sur la transition en cours dans notre pays, condamne avec énergie les comportements irresponsables et antipatriotiques des auteurs. Il apporte son soutien indéfectible aux idéaux de paix du CNRD sous la houlette éclairée de Son Excellence, le colonel Mamadi Douombouya, président de la République, chef suprême des armées, pour une transition apaisée et réussie en faveur du peuple de Guinée. Il adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée. bas la confusion, abat la trahison! Vive la Guinée, vive le colonel Mamadi Douombouya! Faut-il rappeler que parmi le Quatuor, originaire de la Guinée forestière lors de cette tentative d'évasion, seul le colonel désormais radié de l'armée, Claude Pivy, reste toujours introuvable.